Ma fille. Et ta mère. Je ne sais pas, je crois qu'elle est Dieu. Tu crois ou tu ne sais pas? Au fait, papa, je ne sais pas. Bon, elle voilà. Était dehors quand je sortais. Elle était dehors. Moi, ça commence à m'énerver dans cette parcelle. Ta mère, elle sort du bon matin pour rentrer le soir. Et puis, j'ai remarqué, quand elle sort, c'est pour aller à l'église. Oh! Donc, le pasteur commence à prendre ma femme. Franchement, papa, vous êtes bizarre. Mais pas à l'église? Ah bon? Au moins, tu sais que non, quand elle sort, c'est pour aller à l'église. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi tu es en train de te nerver. C'est comme si elle partait voir d'autres hommes, tandis qu'elle part à l'église. Ma fille devient l'avocat du diable de sa mère. Non, donc, vous faites le complot. Non, papa, c'est pas ça. Bon, c'est pas un problème. Appelle-moi d'abord les locataires. Là, dans cette passée, tout le monde m'énerve. Va appeler toi le locataire. Tout de suite. D'accord. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Venez les chaises. Apporte les chaises là, ils vont s'asseoir. Les chaises sont bonjour. Bonjour, maman. Ah, prends la chaise là-bas. Prends la chaise. Je prends la chaise. Oh. Hé. Petite, faut éviter. Hein. J'aime pas ces tentations-là. Ah oui, hein. Sinon, j'appelle ma soeur Christelle Barapila. Tu vas la sentir aujourd'hui. Fais attention. Bon, je suis pas là pour vous. Ah, il y a trois. Deux, la grâce. Bon, taisez-vous, c'est moi qui parle. Monsieur, voilà encore quelqu'un qui m'énerve. Monsieur, tu crois que ma parcelle devient un terrain de tennis de table ou de basket ici? Tu te balades avec des filles nuit et jour ici. Il y a quand même un chef de cette parcelle. Je t'ai remarqué. Ta maison était à 10 000, ça monte à 20 000. Mais pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Ah, voilà. La femme, c'est sage. Bébé. Non, je n'ai pas ton bébé. Oh. Tu n'as pas vu ma fille? Tu n'as pas vu ma fille? Mais je suis belle plus qu'elle. Lève-toi. Je suis belle plus qu'elle. Regarde. Alors. Oh. Attends, mais tu te vois pas ou bien comment? Attends. Faut bien respecter les gens. Bon, ça va, t'es pas. Arrête de parler n'importe quoi. Madame, mais toi, t'es au rien. Bon, il y a pas. Viens dire ma bon, il y a rien qu'on va premier. Yo, out. Bon, mademoiselle, je sais pas si c'est qui. Mademoiselle. Voilà. Je suis une femme. La maison était à 20 000, ça monte à 30 000. Hey, le sens, c'est papa. On peut violer la vie sur mon nom. Et on va se sentir mère. Et Mata. Je vais pas me couper de toi. Merci. Monsieur, voilà. Je suis folle. Monsieur, je sais pas si tu as perdu ta langue ou pas, tu parles pas bien. La maison était à 30 000, ça monte à 40 000 et j'en ai terminé. Papa, c'est un papa. Non, tiens, prends ça, la plus haute des choses. Laisse-moi passer. Un instant. Si je comprends bien, vous nous avez appelé. Oui. Simplement pour nous dire que la maison on est un tel prix et vous arrêtez là. C'est comme ça. Je suis chez moi. Vous le prenez pour qui? Pour vos enfants? Vous n'êtes pas mes enfants, vous payez ma maison, oui. Vous êtes des locataires. Mais bien dit, on paye la maison. Voilà. On est censé être libre aussi chez nous. Non. On paye le loyer. Si tu n'es pas d'accord, monsieur, tu fous la porte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne discute pas avec moi. Voilà, mais sinon, si tu continues à parler, j'appelle le pétrolier d'Anon. Tu vas comprendre. Ah oui, vous bien dit. Ah, il y a le pétrolier d'Anon, nous sommes. Et puis, j'ai oublié quelque chose. Les toilettes. Ah, voilà. Toi, c'est toi qui chies toute la journée jusqu'au soir. Les toilettes. Eh hey, bébé, y'a quoi? Vous arrêtez votre comédie là. Hey. Les toilettes. Parce que j'ai remarqué que c'est toi qui chies beaucoup ici. Ah oui, hein? Toute la journée, et tu vas aux toilettes, je sais pas ce que tu m'entends. C'est pas. Non, attends quoi. Je t'ai dit. Attention, on va attention. Bon, les toilettes, avant de rentrer aux toilettes, vous déposez 100 francs ici. J'en ai terminé. Voilà. Je te fous de moi. On est où ici? Je te fous de moi. De sens que pour le peu qu'on vous verse par mois, on n'a pas le droit de chier tranquillement, quoi. Attends. Moi, tu connais ma papa, vous me dites, mais moi, nous connais la nôtre. Franchement, papa, elle est exagérée. On parle de voir ce que tu racontes. Laisse-moi tranquille. Quel est le grand problème? Qui est ma chérie? On n'a pas compris sur ça. Je t'attends, hein. Ça, je ne vous ai pas donné mon avis à moi. On doit parler. Ben, nous, tu vas qu'il y a un qui est. N'importe quoi. C'est bien, ma fille. C'est bien, le grand. Thank you.
Voilà. Donc ces bandits là ne comprennent pas que c'est moi le chef de la parcelle. Ah voilà. Non papa, Non, je vais vous montrer que c'est moi qui décide ici. Papa. Monsieur, papa, tu vois, papa. Papa n'est pas papa. Papa, c'est pas mon problème. Papa, c'est pas mon problème. Si c'est bien papa. C'est pas papa, ça, papa, papa, ça va sortir, papa. Papa, ça va sortir. Y'a pas d'argent, Donc, madame est sortie depuis le matin, et c'est maintenant qu'elle revient pour qu'elle ait dit que t'as pasteur, ce n'est né. Non, et puis tu viens intervenir pour ces bandits comme ça. Locataire a monté la musée. Ce sont des locataires. Tu manges ici grâce à eux. Ah bon. Bon, et puis, Sani. Ah bon. Je suis parti au séminaire avec notre pasteur, avec le président à Kouaba. Oh, mais viens là. Alors C'est ma meilleure amie, elle se prend pour ma petite amie.